Bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas de vous savoir nombreux justement pour suivre votre émission La Trajectoire. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous un jeune Congolais entrepreneur. Il a plusieurs casquettes, il est aussi écrivain, donc on va, n'est-ce pas, brosser ça tout au long de notre entretien. Il répond au nom d'Eugène Candolo, jeune compétent avec justement beaucoup de qualités, de potentialités professionnelles à qui je dis bonjour. Bonjour Stéphanie. Comment allez-vous? Toujours très bien, merci. Vraiment, vous avez beaucoup de compétences, vous ne lâchez pas, vous êtes toujours en train d'aller ça et là, justement, pour une bonne trajectoire. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je crois que c'est toujours important quand on découvre qu'on a de potentialités et qu'on veut effectivement être utile, il faut savoir le mettre à disposition parce que la première personne qui est contente du fait que nous puissions être actif, je crois que c'est Dieu le Créateur, parce que tout ce que nous avons, le don, le talent, les potentialités, ça vient de Dieu. Tout à fait. Donc la Bible dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et la meilleure façon, la meilleure adoration que nous faisons à Dieu, c'est de travailler de façon excellente et de faire de cela, en fait, je n'allais pas dire une sorte de cheval de bataille, mais je dis souvent, la vie n'a de sens que dans la plus-value que l'on apporte dans d'autres vies. Si notre existence peut apporter du sourire, si notre existence peut apporter des substances, si notre existence peut apporter de l'inspiration aux autres, ça veut dire que cette vie vaut la peine d'être vécue. Alors, ça serait important de savoir comment Eugène Candolo a grandi, parce que en vous voyant, on ne sait pas, c'est les talents que vous avez empruntés de votre père, c'est de votre maman, donc c'est un peu ça. Oui, je crois qu'il y a toujours des choses qu'on a glanées. Par-ci par-là, voilà, de nos parents. Les lieux n'est pas d'aller dire, un peu comme certains nous approchent assez extrémistes où il faut couper les liens. Je fais toujours rire les gens en disant que s'il y a un lien que Salomon devait couper de David, ça serait peut-être les liens de la polygamie de beaucoup de femmes, mais il n'allait pas couper le lien royal parce que. Autant son père était roi, Salomon l'est. Donc, c'est pour, par cette incise, dire qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, que je tire de mon père, de ma mère, de ma grand-mère. Par exemple, le sens de l'entrepreneuriat, moi, je l'ai de ma grand-mère. Ah, Je suis d'accord. né dans l'entrepreneuriat. J'ai vu, parce que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, je lui dois toute la gloire de mon enfance. Tout petit, je pouvais voir comment elle faisait honneur à Dieu avec ses multiples talents, ma grand-mère. Faisait l'élevage de bovins, de porcins, de poulaillers. C'est tout petit qu'on connaissait le arbor, le haïver, toutes les races de poulets. Ma grand-mère faisait des commerces, Kalemi, Kamina, elle ramenait ce qu'on appelle le bitoyo. Elle avait ses propres camions, elle était vraiment multitâche. Elle savait coudre, elle faisait le tricotage avec les deux longs crochets, elle faisait le tricotage avec le petit crochet, elle Tout à savait fait. coudre avec la machine non électrique, elle savait coudre avec la machine électrique. Donc, elle faisait beaucoup de choses à la fois. Et l'une de nos parcelles, d'ailleurs, la parcelle résidentielle, on l'appelait même Jardin d'Éden parce qu'on avait beaucoup de fruits. Ah, On avait d'accord. des goyaviers, de manguiers, des avocatiers, de papayers, même de raisins. Donc, ça montre à suffisance comment elle s'est déployée. Et ça, je l'ai chez elle. Tout petit, je pouvais voir comment dans la maison, on pouvait respirer le sens de l'entrepreneuriat. Elle ne connaissait pas tous les concepts qu'on connaît ici, cash flow, business model, business Non, pas plan du et tout, tout. ils n'ont pas eu Mais cette chance-là, en voilà. fait. Mais elle avait ça. Et elle savait faire tout ce qu'il y a de nom aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Mon père, le sens de l'honnêteté, le sens de la vocation pour le pays, son combat. Parce que je souligne ici que mon père fait partie de pionniers de l'UDPS. Tout à fait. Mon père a connu la relégation, mon père a fait de prison, mon père a connu beaucoup de brimades pour ce pays. Et je crois que sa fierté, même avant qu'il ne parte, c'est de voir que j'avais Paix à cette son âme. conscience, en fait, de me battre pour ce pays et de lui donner ses lettres de noblesse. Et ça, je le tiens de mon père, mais le sens aussi de résilience, Très bien. Je le tiens de mon père. Mon père n'avait pas de petites ambitions. C'était quelqu'un qui savait que nous sommes, non pas par orgueil, mais. Ce réflexe de se dire que on n'est pas n'importe qui, on n'est pas n'importe quelle classe. Donc on peut, de manière générale, dire qu'on a tout ça. Mais après, chaque être humain a sa spécificité.
Il y a des choses qui sont en moi, qui ne sont pas dans mon père, qui n'ont pas été dans ma mère, qui n'ont pas été dans ma grand-mère. Parce que je ne peux pas être la copie de quelqu'un d'autre. Tout à fait. Imaginez que chaque fois que Dieu crée un humain, il s'est dit qu'il y a de la monotonie, et c'est ce que j'ai dit dans l'un de mes livres, sur Terre, et que cette personne doit apporter une particularité de ce qui n'existe pas. Et exactement, si on vient sur Terre pour faire ce que les autres font, ça veut dire que, en fait, cette c'est vie une monotonie, est terne. D'ailleurs, il n'y aura pas des générations suivantes. Et donc, j'ai une particularité, j'ai des spécificités, j'ai un logiciel, un software qui est propre à Eugène Candolo, et c'est à juste titre que j'ai toujours dit. Mais que Eugène Candolo, si vous n'avez pas mentionné votre maman, vous avez une mère qui vous a, n'est-ce pas, justement, qui a pris soin j'ai dit de que vous. J'ai des choses de ma mère, de mon père, de ma grand-mère. La particularité de votre maman, on en a besoin, c'est la trajectoire. Justement, j'ai évoqué le fait que j'ai beaucoup grandi avec ma grand-mère. Okay. Et ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire que j'étais beaucoup plus en contact. Une petite anecdote, imaginez que quand j'étais enfant, bizarre, je tombais malade souvent. Et quand je tombe malade, on m'amène à l'hôpital. Il suffit que ma grand-mère vienne, je suis rétabli. Okay. Vous comprenez, autant que ça me faisait plaisir quand j'étais enfant, on me donnait des pommes de terre, c'était mon repas préféré. Quand j'étais malade, on savait que si il prend le pomme de terre, sauté ou bien à la sauce, il va vite se rétablir parce que je ne pouvais pas manger autre chose. J'avais une bouche aigre et tout ça. Et donc, nous sommes un ensemble de choses qui peuvent avoir de substrats tirés du père, de la mère, le truc, mais nous sommes un projet unique, spécial, à part entière. Et ça, c'est ce que je suis. J'ai des potentialités. J'écris. Je suis à mon cinquième livre. Voilà. Alors que mon père n'a pas publié de livre, ma mère ne l'a pas fait. Est-ce que eux, ils n'ont pas ma mère, fait, elle était couturière comme sa mère. Okay. Donc il y a un certain nombre de choses que l'on a de soi-même par la prédisposition de Dieu, parce que tout don parfait et toute grâce excellente vient de Dieu, le Père des Lumières, qui n'a ni changement ni ombre de variation. Donc il fait grâce à qui il veut. Et moi, il a voulu mettre autant de choses que j'essaye de développer pour lui rendre grâce. Parce que si je garde les talents enterrés, c'est carrément... On va vous ravir, ça. Oui, effectivement. Alors, Eugène Candolo, en vous entendre parler, je sens que vous aimiez Dieu. Oui. Par où il vous a ramassé? J'ai toujours dit que je suis tout un mystère. Déjà que même la façon de venir au monde, pour moi, était toujours atypique. Et Dieu a eu une très grande place dans ma vie. Je dis bien une très grande place. J'ai une relation particulière et je reconnais. Et c'est comme ça que même dans mon volet coach en développement personnel, je n'aime pas propager les enseignements de confiance en soi qui n'ont pas de soubassement. Et je dis à juste titre que c'est comme l'auto-idolâtrie de l'humain. On ne peut pas parler, prêcher, enseigner la confiance en soi si la confiance en soi n'est pas basée sur la foi en Dieu. Sinon, c'est comme si on se dit on existe par soi-même, on se fait confiance et on a tout. Donc, ces genres de nuances font partie des spécificités de mes enseignements dans le cadre de développement personnel de leadership. Et donc, la place de Dieu est vraiment très déterminante dans ma vie parce que je suis tout par lui, en fait. Vous occupez quelle place à l'église? Vous êtes évangéliste? Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout vous n'avez pas d'attribution. D'attribution, de grade à l'église. Mais pourquoi? Quelles sont des raisons? Je crois que vous avez de quoi donner. Certaines raisons peuvent être d'ordre de l'organisation humaine, mais après, moi, tout ce qu'il y a de positif et de négatif dans ma vie, je crois que ça fait partie des éléments qui devraient être pour m'affermir, pour me faire grandir et pour me donner plus de maturité en tant qu'humain. Donc, il y a des choses, à un moment donné, on pouvait se plaindre. Tu t'es dit, mais j'ai autant de potentialités, mais pourquoi ici, on ne m'utilise pas? Si c'était le cas, j'en voudrais beaucoup de gens. J'en voudrais peut-être l'IFACI qui ne m'a pas retenu comme assistant. Ouais. Parce que vous avez aujourd'hui, prié à l'époque. Il y a plusieurs professeurs qui sont en train de mourir. Mm-hmm. La relève n'est pas vraiment très, très rassurée. Assurée, ouais. Mais nous, on peut. Moi, je l'ai dit, je peux donner cours de première graduée, je suis en deuxième licence. Mais bon, après, est-ce que c'est un talent qui pourrit? Mais est-ce que le destin n'a pas voulu que je puisse aller à autre chose et que si j'étais distrait par la carrière d'assistant et trucs, je ne ferais pas autant de choses? Donc, j'ai appris à positif. Et je peux être dans une église si on ne me donne pas de responsabilité, parce qu'il y a des responsabilités qui peuvent être par aspiration. Mais il y a aussi des responsabilités parce que peut-être les dirigeants ont inspiré ou soit ils ont été convaincus par Dieu que non, on doit des responsabilités. Mais en passant, je voulais ouvrir une parenthèse pour dire que je travaille quand même dans un ministère, un grand ministère.
Dans le ministre, oui, je suis dans la coordination des, dans le ministre, oui, le ministère de l'apôtre Roland Dallo, et je gère notamment en tant qu'éditeur, directeur général de, du magazine Pain du Ciel qui est édité là. Mais je suis membre de la coordination. Ah d'accord, nous allons y revenir. Donc, parce qu'il a préfacé votre livre. Ouais, exactement. Vous avez, n'est-ce pas, une activité prochainement. Voilà. Mais entrons d'abord dans l'essentiel. Comment aviez-vous, en fait, qui a été votre inspirateur? Celui qui vous a inspiré sur la vie? Quels ont été vos grands projets de la vie au moment où vous avez passé votre enfance? Il faut dire une chose, ça va paraître bizarre, mais je suis un autodidacte né. La plupart des choses que j'ai fait, auxquelles j'ai aspiré, je n'ai pas eu un aîné qui me servait de modèle, qui me tenait à la main, qui me faisait ci. Je n'ai pas grandi dans un environnement, déjà que j'ai dit que j'ai grandi avec ma grand-mère. Ma grand-mère avait sûrement un niveau de 4 ans, école normale à l'époque, donc elle n'était pas au haut niveau. Ma mère, c'est au niveau des diplômes d'État qu'elle s'est mariée en 100 ans. Okay. Et donc, que ce soit pour faire l'université, que ce soit pour... Je n'avais pas de repère devant moi. C'est vrai que mon père est universitaire. Okay. Il était enseignant à l'université, mais je ne grandissais pas avec mon père. Je l'ai vu pour la première fois à l'âge de 12 ans. Et donc, mais c'est après, vers ces années de trucs qu'on a beaucoup mutualisé, les peu de temps que nous avons passé avec lui pouvaient être des moments de qualité plus que peut-être le 30 ans de vie ou quoi que ce soit. Et j'en reste avec beaucoup de souvenirs positifs. Pour dire que je suis quelqu'un qui est venu. Déjà, je disais tout à l'heure que ma naissance était assez atypique. Mm-hmm. Alors qu'on se démenait pour aller à l'hôpital avec ma mère qui était à terre, moi, je suis venu, donc sans aide de médecin. Pour comprendre un peu, sans aide des médecins. Okay. Mais est-ce que, pour autant dire que je n'ai pas de repères, je n'ai pas de modèles? Non, j'en ai. J'ai 4, ou sinon 5 aujourd'hui, que je considère comme mes modèles, qui m'ont inspiré de loin. Donc, il y a Martin Luther King, il y a Mandela, il y a Barack Obama, il y a Denzel Washington et il y a l'apôtre Roland Dallo. Ces 5 ont en commun quelque chose. Au-delà du fait que, à part Denzel Washington qui n'est pas juriste, le 4 sont juristes. L'apôtre Roland Dallo a fait le droit et la théologie. Martin Luther King a fait le droit et la théologie. Mm-hmm. Barack Obama est doublement diplômé et en relations internationales et en droit. Mandela, il a fait le droit. Denzel Washington est le seul de 5 qui n'a pas fait le droit, qui a fait le journalisme et qui a fait le cinéma et tout. Mais j'ai de ces gens une chose, d'abord qu'ils ont en commun tous, c'est le sens de l'humilité et de la simplicité. Vous ne pouvez pas aller loin, vous ne pouvez pas bâtir votre légende si vous ne savez pas comment vous remettre en cause, comment vivre simplement, même quand vous devenez star. C'est possible d'être une star, mais d'être simple. Et ça, avec Denzel Washington, je l'ai vécu. C'est quelqu'un d'ordinaire. Il n'est pas dans des euphories inutiles. C'est parmi les rares personnes, par exemple, à Hollywood, qui tient près de 30 ans maintenant de mariage, mais qui n'a pas divorcé, alors qu'à Hollywood, c'est la mode, c'est même la règle. Non, divorcer et divorcer, scandale et tout ça. Ça, c'est un. Des deux, j'ai vu Barack Obama, super intelligent, mais j'ai suivi tous ses débats, que ce soit avec ses adversaires politiques, que ce soit avec les autres. L'essence de l'élégance. Et c'est là, de lui, que j'ai appris que l'intelligence ne sert pas à brûler les autres, mais à briller pour leur permettre de faire briller leur intelligence à eux. Obama n'a jamais été condescendant. Obama ne cherche pas à mépriser ceux qui sont moins intelligents que lui. C'est quelqu'un de très simple, d'ordinaire. Et ça, c'est l'apôtre Roland Dallo. J'ai toujours dit, quand je regarde la vie de l'apôtre Roland Dallo, c'est plus que 1000 livres sur le leadership lus. C'est l'exemplarité en chair et en os, le sens de la simplicité. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il est au summum. C'est l'un de rares pasteurs congolais qui a autant de fils de qualité. Tout à fait. Où on peut dire tel pasteur est fils, tel pasteur se reconnaît en lui. Et pourtant, il n'est pas aussi vieux que ça. Parce que souvent, les gens, il n'a pas encore 60 ans. Mm-hmm. Souvent, les gens, de fois, ils se disent, mais il est très jeune. Non, mais c'est sa grâce, au fait. Mais vous aurez l'impression qu'il a peut-être 80 ans. Parce que, en fait, l'essence de la paternité, il l'a. Et ça, le cœur de père qu'il a pour de gens. La disponibilité qu'il a pour des gens. Alors qu'il y a des gens qui, 2-3 fois, il a, par exemple, fait quelque chose ou bien il a prié pour un ministre. Du coup, il frime à tout bout de champ et truc, il devient inaccessible. Non, mais c'est pas son affaire, c'est l'affaire de Dieu. Voilà. Et c'est le cas avec
Martin Luther King, qui m'a beaucoup inspiré, le sens de la résistance, l'essence de la non-violence. J'ai lu beaucoup les livres de Martin Luther King et j'ai eu la grâce, parce que quand vous aspirez à quelque chose, la loi de l'attraction, ça fonctionne. Tout à fait. Il est dans la liste, je crois qu'il est le premier de tous les cinq que j'ai commencé à considérer comme modèle, tout petit, bizarre, mais Dieu a fait grâce dans cette destinée-là, que quand je me retrouve en 2014 aux États-Unis pour le programme IVLP, alors que ce n'était pas prévu dans notre programme, parce qu'on vous donne le programme avant même que vous ayez les états dans lesquels vous irez et ce que vous allez faire. Ce n'était pas prévu qu'on puisse aller voir la tombe de Martin Luther King. Alors que nous nous retrouvons dans l'état de Georgie, Atlanta précisément, on nous dit il y a un petit montant qui est resté dans le frais que vous pouvez utiliser. Il y a deux possibilités. Soit vous allez visiter l'usine des Coca-Cola, soit vous allez au site dédié à Martin Luther King. Mais c'était clair que nous devions aller. Et j'ai vu Ebenezer Church, l'église où il était. J'ai vu la tombe de Martin Luther King, de Goretta. Je me suis mis sur ça. Vous êtes connecté. Voilà. J'ai vu la flamme de la paix. J'ai acheté deux tasses pour moi et pour mon père à l'époque. J'ai acheté des pins. Okay. J'ai entendu la voix de Martin Luther King parce que ça tourne en boucle. Okay. Quand vous allez là-bas, le fameux discours de I Have a Dream, on fait remettre ça en boucle. Donc, j'étais très heureux. J'étais face à mon histoire. J'étais connecté à quelqu'un que j'apprécie autant, qui m'a beaucoup challengé. J'ai vu, j'ai touché la charrette qui avait transporté son corps quand on avait tué. Parce que ça se trouve là-bas, tout ce qu'il y a comme reliquat de Martin Luther King, la chair sur laquelle il avait prononcé les discours. Je suis passé à la Dream Gallery où il y avait des choses énormes. Et donc, l'ensemble de ces gens, j'ai regardé autant des documentaires de Mandela, autant des documentaires de Barack Obama, et je suis challengé, inspiré, et c'est des gens qui façonnent même ma vision du sens de l'État, de la lutte et de la quête de l'idéal. Et maintenant, par rapport au leadership que vous avez, que Dieu vous a donné, parce que vous êtes né pas à l'hôpital, mais aussi vous n'êtes pas aidé par quelqu'un, vous partez, vous faites votre chemin. Non, il y a toujours des gens qui vous aident. Non, je n'en conviens pas, laisse-moi parler, parce que en ces termes, je parle du leadership, du leadership que le Seigneur vous a donné. Alors, par rapport à cette connexion, comment est-ce que vous vous êtes maîtrisé sur terrain, parce qu'on doit aider aussi les jeunes qui s'y mettent, comment est-ce que vous vous maîtrisez sur terrain devant les obstacles pour, n'est-ce pas, arriver à vos objectifs? Très bien. D'abord, il y a toujours une étape où chaque personne qui n'a pas encore vraiment compris sa destinée se plaint. Se plaint de combats, se plaint des attaques. Mais au fur et à mesure que vous vous rendez compte que vous êtes un personnage qui est beaucoup combattu, la même chose que vous avez fait et quelqu'un d'autre a fait, on vous réprimande, vous, 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 réprimande, vous. Leadership, je commençais à me façonner déjà chef de promotion. Après, j'ai inventé des choses qui n'existaient pas. Par exemple, j'ai été président du collectif de tous les CP qui était comme l'équivalent de parlement dans une université, alors que ça n'a jamais existé ailleurs. Donc, le leadership se confirme progressivement. Et puis, j'étais vice-président des étudiants. Après, j'étais président des étudiants. Et après, je suis allé ailleurs. J'étais dans le monde associatif. C'est très important. On se façonne par l'engagement communautaire. Et l'engagement communautaire peut être seul ou avec d'autres personnes. Et c'est souvent conseillé de le faire en collectivité parce que vous challengez. Ça vous permet de vous mutualiser, mais aussi de faire
disparaître d'autres barrières. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Senghor. Okay. S'enfermer dans sa culture, c'est s'appauvrir. Nous devons de nous ouvrir aux autres, d'assimiler et de ne pas se faire assimiler. Et donc, c'est très important de ne pas être recroquevillé dans sa tour d'ivoire. Moi qui enseigne le leadership, je dis toujours aux gens, il n'y a pas de leadership sans connexion. Mm-hmm. Tu ne peux pas vivre en autarcie et dire que tu vas émerger en termes de leadership. Et même sur le plan commercial, comment tu as une approche commerciale, mais tu restes enfermé sur toi. Parce que tu dois avoir des gens qui doivent acheter ton produit, tu dois avoir des gens qui doivent accéder à ton concept, tu dois avoir. Et c'est pour cela qu'on devrait continuellement être ouvert. Et aujourd'hui, le monde, ça s'appelle village planétaire. Une raison de plus d'être hyper ouvert, mais de se dire que c'est un rendez-vous du donner, du recevoir. Quand on y va, on doit aussi être porteur de quelque chose. Sinon, on va disparaître au contact avec les autres parce que c'est le choc des civilisations. Et donc, vous devrez garder à l'esprit que vous avez votre âme, vous avez votre substance, mais vous devez vous façonner au contact des autres et vous devez vous aiguiser. Et ça, c'est très, très important. Et ça, ça m'a aidé. Le fait que j'ai été présent aux étudiants, le fait que j'ai été dans le monde associatif, ça m'a permis d'avoir mon premier boulot. Alors que j'étais choqué, alors que j'étais comment cela déçu. A été fait? On vous a aidé justement, ou c'était mais ça s'est passé comment aura? Je suis à l'université à l'époque, la radio Capi, pour ne pas la citer, recrutait au niveau de 3 universités, IFASIC, UCC et UNIKIN. On prenait 20 étudiants chaque année qui faisaient un test, et au bout de ces tests, on retenait 24 personnes qui vont faire un stage professionnel de 3 mois en immersion, et on gardait leur nom dans une base de données. Tout le monde savait, je dis bien tout le monde, à l'époque, qu'on ne peut pas compter 5 ou 10 meilleurs étudiants dans toute l'université sans me compter. J'étais de surcroît président des étudiants, mais une liste de 20 personnes sort. Et pendant cette période, nous sommes la seule promotion sur 6 filières en première licence, pour passer en deuxième licence, qui étions passés en première session. Les 5 autres personnes étaient passées en première session. On sort une liste de 20 personnes, mon nom n'y figure pas, qui vont aller à ce concours de la radio Capi. Les défis que j'avais, c'était de, non pas parce que mon nom n'existait pas, mais c'était de répondre à la question « Pourquoi le nom n'est pas là ?» Ok. J'étais connu à l'université. J'aimais également courage, hein, donc alors, je suis témoin au killer de du ce coup, que vous dites. Du coup, ça m'est choqué, c'était de l'injustice, c'était méchant. Aujourd'hui, quand je regarde, par exemple, les gens qui avaient fait ces listes, bon, bref. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'a choqué, c'était aussi l'insulte à mon intelligence. C'était à cette période que je me suis dit que je devais travailler. Parce qu'avant, je me disais, je vais finir l'université. La tentation était que chaque fois que les gens, après le graduat, s'est lancé dans la presse active, ils goûtaient au sel de coupage et c'était difficile de faire la licence. Or, moi, j'avais des ambitions. J'ai dit, je dois finir tous les cursus universitaires. Donc, je ne peux pas travailler. J'étais, à l'époque, retenu en TENA. Mais j'ai dû renoncer. Je travaillais déjà comme journaliste. J'ai dit, non, je dois me concentrer. Le journalisme doit m'attendre. Encore qu'aujourd'hui, il a été démontré dans mon destin que mon destin n'était pas vraiment de rester journaliste pratiquant. Parce que j'ai eu, on va y revenir, comme on parle de trajectoire, j'ai eu une trajectoire assez compliquée qui a touché les secteurs privés, les secteurs publics, les mondes des organismes internationaux. Et j'ai un background assez trempé dans plusieurs domaines. Et qu'est-ce qui se passe? Je me dis, non, je dois travailler. Et c'est là que je postule pour une ONG, journaliste pour les droits humains. Okay. Et tout ce qu'on demandait, c'est l'expérience dans le milieu universitaire et l'expérience dans le monde associatif. Et c'est ce que j'ai mis dans mon CV. Et comme Dieu est juste, ceux qui allaient à la radio Capi devraient faire 3 mois, la première proposition de cette offre, c'était de faire 3 mois. Okay. Mais je suis allé là-bas pour faire 3 ans. Parce qu'après 3 mois, je suis resté. Et il y avait tellement de similarités, même en termes de chiffres. On donnait $50 de prime à ceux qui étaient à la radio Capi. Et moi, on me donnait $50 de communication, à part mon salaire. Okay. Je peux le dire, mon tout premier salaire, c'était de $180. Et c'était énorme pour un étudiant. Et j'étais aux anges. Et si bien qu'au sortir de là, j'avais plus parce que j'avoisinais le 4 chiffres alors que je sortais de l'université. Et donc, ce qui était malheureux, parce qu'on m'a cassé quelque part, a ouvert une brèche pour que je puisse, et j'ai cette expérience, parce que 3 ans je suis passé dans cet organisme, la formation, les compétences sur les questions de droits humains, la capacité d'engouer les trucs, les conférences ont été activées par ça, parce que j'ai fait le tour de toute l'université, les universités. J'étais coordonnateur programme université, et j'implantais des antennes dans des universités. Je formais, et Dieu merci, renversement des tendances. Une année seulement après avoir fini, j'ai eu la plupart de mes enseignants de l'IFASIC dans un atelier assis et j'étais formateur.
Et ils ne pouvaient pas partir parce qu'il y avait le père Diem, c'était voilà, bien organisé et tout ça. C'est pour montrer que dans la vie aussi, il faut éviter de faire du mal aux gens. Très bien. Inutilement, mm-hmm. parce que vous ne connaissez pas le destin. Et j'étais là, et après, il y a eu beaucoup d'ouvertures de par cela. Et plus tard, quand j'étais en deuxième licence, on remettra finalement mon nom sur la liste cette fois-là. Alors que je finissais l'UFASIC, parce que je partais. Et j'ai demandé qu'on prenne mon ami Wanette, qu'on le mette là-bas. Ils ont refusé. Je suis quand même parti. Et j'ai été le premier à ces concours sur les 60 étudiants. Et j'ai commencé à la radio Capi, mais je n'ai pas fini. J'ai fait juste un mois parce que d'autres devoirs m'avaient appelé. Mais c'était très pédagogique dans la vie pour se dire qu'il ne faut pas toujours se plaindre. Tout combat n'est pas pour t'abattre, mais c'est pour te rendre davantage plus fort. Et après, quand j'ai quitté JDH, je suis allé à autre chose. Je suis là, je me retrouve dans le marketing et communication que je n'ai pas appris à l'IFASI. Et j'étais formé dans l'une des meilleures écoles, BNC Communication, avec M. Kweni, qui est camerounais. C'est la boîte qui gère la communication, les marketing en Afrique centrale, d'une des grandes entreprises de transfert, Monogram et tout ça. Je travaillais ici, à Brazza. J'ai eu d'autres compétences. Aujourd'hui, le talent enrobé de marketing, de marketeur que j'ai, je l'ai là-bas parce que j'ai appris le marketing à 300. De télécom, que ce soit, je ne sais pas moi, des cosmétiques, et vous avez un regard transversal, cosmopolite de la chose, de la question même du marketing. Et j'ai été façonné dans ça, et je n'ai pas traîné là-bas, j'ai dû démissionner pour lancer Cap Possible Group, qui est ma propre boîte de communication, de marketing, de formation, et la branche édition Cap Possible. Entrepreneur que vous êtes, jeune Kandolo, courageux, mais finalement, partout où vous êtes passé, vous étiez le bienvenu. Il ne faut pas s'attendre à être le bien. Il faut pas toujours s'attendre à être les bienvenus. Okay. Mais après, il ne faut pas faire d'un monde tout fait. Certaines personnes auront un parcours assez facile avec d'autres personnes qui sont difficiles avec vous. Mm-hmm. Donc, ne partez pas de votre propre témoignage pour dire que cette personne est mauvaise. Peut-être que il y a la seule personne que Judas a trahi dans la vie, c'est Jésus. Donc d'autres personnes donneraient peut-être le témoignage de Judas qui n'est pas un traître. Donc, je ne peux pas définir quelqu'un qu'il m'a fait du mal, dire que cette personne-là est mauvaise autrement. Vous comprenez, l'hostilité fait partie du game. Je suis passé quand même à plusieurs endroits. J'ai dit que j'ai un parcours transversal, monde des organismes, secteur privé, secteur public. J'ai été chez NDI. Est-ce que tout le monde était mon ami? Je ne crois pas. Mais c'est une famille. On a même un groupe aujourd'hui. NDI, c'est National Democratic Institute. C'est une grande organisation américaine attachée au département d'État américain. Voilà. Donc, j'ai évolué dans ça. J'ai formé des politiques, des députés, des ministres aujourd'hui, des gens que nous avons formés. J'étais coordonnateur programme réflexion prospective sur le processus électoral en RDC. J'ai géré des provinces ici, au Katanga. Nous allons continuer, c'est un ensemble de background très qui bien. Te permet voilà, voilà de pourquoi juger vous le êtes assise sur préjugés. Ces fauteuils justement pour relater un peu votre trajectoire, encourager le jeune Congolais qui nous suit, hein, parce que nous sommes là justement pour le développement. Alors, comme le temps qui nous est imparti est presque à la fin, on va parler, c'est vraiment jaloux, on va parler maintenant du livre. La fois prochaine, on va arriver à comprendre l'initiative que vous avez prise, qui aujourd'hui est déjà en train de couler. Mais finalement, parlons de ces livres, parce que vous êtes dans votre cinquième livre, hein. Parlons de bâtir sa propre légende, parce que on en parle, c'est l'actualité en fait. C'est votre initiative, c'est votre pensée. Ouais. Je vous ai dit d'emblée ici que moi, j'ai une relation particulière avec Dieu. Et dans ma vie, il y a beaucoup de Dieu m'a dit. Hein, donc, et je ne me gêne jamais. Ça fait moins branché, moins play de parler de Dieu quand on est un jeune qui a blazer et tout ça. Mais moi, vraiment, je ne suis jamais complexé par rapport à ça. Il y a beaucoup de Dieu m'a dit. Et je sais que parmi les prophéties qui m'ont été dites, il y a beaucoup de livres dans mes entrailles. Okay. Quelqu'un me disait même qu'il a vu tout un rayon avec mes livres. Et je peux te dire qu'actuellement, j'en ai 27. Je ne sais pas qui va sortir avant l'autre. Des livres de plusieurs domaines.
En 2016, je sors mon premier livre, Solfège d'espoir, mais qui en réalité était un deuxième, parce qu'avant, j'ai pris mon mémoire de licence, j'ai adapté ça aux éditions universitaires européennes, c'est sorti comme livre, Intégration et socialisation des journalistes dans les paysages médiatiques congolais. Un livre dont l'UNPC peut s'inspirer pour beaucoup de choses, notamment sur des réformes et même dans le cadre de ce qui est en train d'être fait sur la loi. Restons dans ces derniers livres. Et parce puis, que justement, doit, j'ai sorti la l'autre. Fois prochaine, et on aujourd'hui, va parler de tout ça. Bâtir sa propre légende n'est pas du tout un nouveau livre. Parce que ça fait 2 ans et demi que ce livre est sorti. Mais... Tu fais la commande, Amazon te livre en dur. Donc, c'est une expérience atypique. C'est un livre orienté vers le développement personnel parce qu'il y avait quand même assez de polémiques ici. Les coachs, on les critique. Les Congolais, ils les complexés. Ah non, sûrement, vous prenez les citations de John Maxwell. Sûrement, ce sont des coachs américains. Ça, c'est un livre produit congolais, africain, avec des exemples puisés dans notre propre histoire. Mais pour parler de la question du développement personnel. Et quand je parle de bâtir sa propre légende, n'est pas une légende. Ça vaut la peine, en fait. Tout le monde trouvera son compte parce que c'est un livre qui est très transversal et qui a beaucoup d'aspects émotionnels, rationnels, intellectuels, mais aussi spirituels. C'est vraiment un livre qui permet l'épanouissement personnel. Très bien. Et par rapport à ça, j'ai pris le titre du livre pour donner au thème de la 3e édition de mon grand événement que j'organise. Nous sommes à la 3e édition, Valeur ajoutée, qui est une rencontre du donner du recevoir. C'est vraiment une conférence de développement personnel, des motivations et des promotions de l'entrepreneuriat des jeunes en particulier, une plateforme de réseautage. Et le thème de cette 3e édition qui va se tenir à Chaubeuse le 20 mai, c'est « Bâtir sa propre légende n'est pas une légende ». Nous allons aborder un tout petit peu des questions de légende. Il y a mon préfacier, l'apôtre Roland Dallot qui sera là. Toujours qui avec va parler. Votre mentor. Oui, ça sera pour la première fois. La première édition, la 2e édition, il n'était pas là. C'est toujours important de faire pour que les gens ne puissent pas dire « Ah non, c'est parce que... » Donc, faire preuve seul. On l'a fait et c'était vraiment des succès sur le plan de la qualité, sur le plan de la quantité, parce que la salle de Sultani avait refusé du monde alors qu'il y avait la pluie sur toute la République, sur toute la capitale le 23 avril de l'année passée. Alors, cette fois-ci, nous sommes allés à Chaubeuse et c'est presque, voilà, donc on est à presque sold out. Parce qu'on a déjà épuisé près de 80 places qui sont prises. Donc, je parlerai du pouvoir de la communication dans la construction de sa légende. Et mon mentor parlera de la place des dieux et les aspects spirituels dans la construction de sa légende. Mais il y aura beaucoup, parce qu'il y aura des spectacles, on a des invités, de panélistes vraiment de très haute facture. Ça sera vraiment du jamais vu. C'est un peu comme un musicien qui ferait Bercy ou truc. Donc, c'est vraiment vraiment très fier de vous. Terrible. Vous évoluez dans notre pays, la République démocratique du Congo. Un jeune qui a beaucoup de potentialités. Sinon, vous êtes écrivain, vous êtes entrepreneur, formateur, conférencier coach. Éclectique. Conférencier, mentor tout de ça. Plusieurs jeunes. On va parler progressivement. Pas seulement du Congo, mais au-delà des frontières du Congo. On va dernièrement, parler progressivement j'étais à Brazza, dans formidable. Notre émission Trajectoire. Ouais. Parce qu'on ne peut pas tout épuiser en 30 minutes. Ouais. Alors, un message à tous les jeunes qui veulent devenir comme vous, qui peut-être sont dans la distraction ou alors ne savent pas comment se positionner dans un domaine. Ça fait plus de 5 ans que je donne le même message et je ne pense pas qu'il ait expiré. Aux jeunes, je dis ceci, il faut apprendre à rêver grand. Ne cherchez pas forcément à devenir comme moi parce que vous ne serez jamais moi. Vous serez toujours la version vraie de vous-même. Donc, apprenez à rêver grand. Et dans ce rêve, sachez qu'entre le rêve et la réalisation, il y a toujours un parcours. Et ce parcours est souvent fait de ronces et des épines. Le rêve est un fardeau, mais croire en son étoile est un don, un pouvoir. Tenez bon et contribuez à l'épanouissement de notre communauté et particulièrement de notre nation, la RDC. Elle a besoin de vous. Quand vous étudiez, dites-vous que vous étudiez pour vous, mais aussi pour la RDC. Quand vous excellez dans un talent, dites-vous qu'avec ces talents, je vais faire rayonner le Congo. Parce que Lumumba disait, l'histoire du Congo, ça ne sera pas aux États-Unis, ça ne sera pas en Belgique, que ça sera écrit, c'est ici, par le Congolais. Et écrivons ensemble cette histoire et donnons la plus belle chandelle à notre destinée. Avec plaisir, je vous ai reçu sur mon plateau. C'était un grand plaisir pour moi. Et on sent que vous pouvez déjà aller de l'avant.
Nous avons, n'est-ce pas, soif de voir comment est-ce que vous allez épanouir dans notre pays, la RDC. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à notre entretien d'aujourd'hui. Je crois que c'est juste une partie. Nous aurons une autre partie la fois prochaine parce qu'il a plusieurs casquettes. Lui, c'est Eugène Kandolo, un jeune Congolais avec plusieurs casquettes, mais au moins, c'est un coach sur le développement personnel. Voilà. Donc, je vous dis merci. On va se retrouver la fois prochaine. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci à la grande équipe. On se retrouve la fois prochaine. Je crois que ce sera votre tour. Au revoir.